Ce n'était pas arrivé depuis 2003. Des professeurs en grève au moment de surveiller les épreuves du bac. Mais le ministre de l'Éducation l'assure, les candidats plancheront sur la philosophie en toute sérénité. Nous avons pris les dispositions pour qu'il en soit ainsi. On a eu recours et aux professeurs, donc à un grand nombre de professeurs, et aussi à d'autres personnels. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de professeurs en grève parce que les professeurs sont attachés autant que les élèves à cette réussite des élèves. Fin des séries, prise en compte du contrôle continu, nouvelles matières. La refonte du bac et du lycée prévue pour 2021 fait craindre un examen à la carte, vecteur d'inégalité. Ça fait longtemps qu'on considère que le baccalauréat avait besoin d'une modernisation, qu'il était souhaitable de donner plus de choix aux élèves, qu'ils soient plus heureux dans leurs études tout simplement, et qu'ainsi ils approfondissent davantage parce qu'ils choisissent davantage et on approfondit plus ce que l'on aime davantage et donc on va augmenter le niveau des élèves grâce à cela, avec des programmes qui vont plus loin. Autre reproche fait à la loi pour une école de la confiance, le recours facilité aux contractuels ou le pré-recrutement d'étudiants de deuxième année. Selon le ministre de l'Éducation, il s'agit de pallier les manques de professeurs dans certaines académies en tension, à Versailles, Créteil ou à Amiens par exemple.